Bonjour voiture, excuse-moi de te déranger, mais enfin c'est pour te dire que t'as bronzé que du haut. Là le reste t'es trop blanche. Donc essaie de tourner peut-être. Ouais. Bah regarde la voiture devant toi, elle a bien bronzé. Bon j'avoue, elle a mis un peu trop de monoeil elle pour le coup. Mais toi frère, fais un effort. Hein. Ouais. Bah, le mec aussi est un peu trop bronzé là. Ouais, on n'aime pas trop ça en France. Autrement, bah ouais, fais un effort hein, cousine, parce que là t'es pas comme lui. Mais toi, t'es trop blanche là. Allez, bonne journée, excuse-moi de t'avoir dérangé. Hein. Allez, ta mère, ouais. J'espère que t'as kiffé l'après-midi qu'on a passé ensemble. Écoute, hey, je suis un spécialiste de la drague. Si la fille, quand tu lui demandes est-ce qu'elle a passé un bon moment, elle te répond franchement ouais, t'es bien parti. Franchement? Ouais. Sérieux? J'espère qu'on pourra se revoir un peu plus longtemps la prochaine fois. Enfin, si ça te... Ça te... Ensuite, tu vas à l'avance l'après-midi. Si à la fin tu lui proposes de se revoir, elle te répond quand tu veux, déjà c'est bon 92% de l'approche. Oui, pourquoi pas, quand tu veux. Sérieux? Bah écoute, tant mieux. Ouais. Bon, on se dit à la prochaine alors. Ça marche? Ça marche. Salut Paulina. Eh, le meilleur, si elle te fait le coup du pouce à la fin, champion. T'as plus qu'à attendre. Vas-y, fais-le. Fais-le. Tu l'attends à l'approche. Allô. Tout ce que tu m'as dit, elle l'a fait. Me dis pas qu'elle t'a fait le coup du pouce. Je te dis qu'elle me l'a fait, bien tendu même. Ah bah ça veut dire que cette meuf, elle est super facile à gérer. Ah ouais, grave. Eh, par contre frérot. Ouais quoi poteau. Je savais pas qu'elle habitait dans ton immeuble. Comment ça dans mon immeuble? Oh chérie. Mais t'inquiète pas, je te fais tourner, c'est la famille, tu connais. La technique du sommeil inversé. Manou, j'en suis ton putain. Je vais te taper, t'es fou quoi. Comment ça? Utiliser la religion comme une disquette. Oh Banou, j'en suis ton putain là. Mais comment tu travailles? C'est quoi ça? Papa, calme-toi. J'ai été à l'église et on m'a dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et je t'aime papa, la violence ne résout rien. Mais t'es con, ta violence de merde. Moi je vais te taper moi. Jésus a dit, mets en moi une, je t'en l'autre. Mais espèce de fou. Jésus quoi? Faire semblant d'être malade. Bah où? Je suis dans le putain, mais tu travailles comme une merde. Papa, je suis dans la marre. Papa, c'est pas le moment. Quoi? J'ai mal partout là. T'as mal partout? Je me sens un passe-partout. Passe-partout, bah tiens, prends ça. Fils, c'est pas un mot de gorge. Tiens, prends. Béroca, je sais pas c'est quoi. Je fais le gars pour ton ventre, tu prends tout. D'accord. Merci, papa. Tu vas bien? Merci, ça va mieux. Ça va mieux. Ah! Ah! Et là, t'as pas mal? T'as pas mal? Hein? Tu as trouvé l'école, hein? Oui? Il ne faut pas trop regarder le catch. Tu travailles à l'école, là, j'ai reçu ton putain, c'est n'importe quoi! Regarde, toi, tu vas me taper encore, c'est ouais, ça? Ouais, tu vas faire quoi? Tu vas me taper? Eh ben, regarde! RKO! Oh, you can see me! Fais-toi! Oh, calme-toi! Arrête! Et trop de monde! Arrête! Oh, je vais mourir, papa! Mais c'est à moi de faire! Arrête de taper, mais c'est moi qui te tape! C'est bon! C'est bon! Amener un pote pour esquiver l'inesquivable! Ok, donc là, on va parler de la tangente. Balout, c'est ce que c'est une tangente? Une tangente? C'est une femme giton. Balou, c'est quoi ce putain de merde? Moi, je vais te taper, papa, calme-toi. Y'a Alphonse. Tu me fous la honte, tu vas pas me taper devant Alphonse, putain. Ouais. Vas-y, viens, on reprend Alphonse, le giton. Mais je vais le taper avec Alphonse. Ah, de connard. Mais c'est bon, ça. Je vais pas. MDR. Tu te rappelles le 24 octobre 2015 à 16h30? T'avais un paquet de Pringles et tu voulais pas m'en donner? Ouais, et bah t'en as pas. T'as fumé toi. Mais sérieux, ma cousine, c'était sans chidon. Et je sais pas comment les meufs font pour aimer un mec comme. Elles sont magnifiques! Regarde! Wesh! Et puis j'ai bougé un peu plus tard. Puis j'ai vu. Je le connais, gros! Ouais, vas-y, raconte, s'il te plaît. Pourquoi vous ne parlez jamais? Ok, vas-y, toi! Vas-y, lâche-moi, gros! Ok, tu le connais même pas? Sa façon de bouger, j'ai tout de suite compris qu'elle en serait pour moi. Bébé, one pour moi. Ah bah, vas-y, on va voir. Est-ce qu'il y a un problème? Tu le connais? Non, mais c'est pas un grave problème en fait. Genre, depuis tout à l'heure, il y a mon pote qui se dit ouais, les meufs, c'est trop belle et tout. Et moi, je me suis demandé. Bref.
Moi j'ai de l'argent. J'ai de l'argent. Tu veux que je fasse quoi avec vous? Faites comme si vous étiez même, ok? 10 balles en plus. Ah oui. Oh, il est grave fou en vrai. Je me rends fou. J'ai toujours cru en toi. Toi, me check même pas, toi, espèce de suicide. Tout à l'heure, tu disais quoi? Comment t'as fait, wesh? Vas-y, raconte. Vas-y. Non, mais franchement. Vas-y. Vous pouvez l'heure, là, mon frère. 10 balles, on va faire quoi avec? Moi, j'étais un grec. N'importe quoi. Eh, vous pouvez pas, c'est tranquille, quoi, des meufs. Wesh, mais pourquoi tu me dis ça? Tu crois que j'ai besoin de tes billets ou quoi? Dégage! T'es sérieux là? On va faire quoi là? T'es sérieux là? Qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, c'est parce que j'ai trompé. T'as trompé qui? T'as trompé qui? T'as trompé qui? T'as trompé qui? Eh, mais t'as du temps! Eh, t'es un menteur! Eh, t'es grave pas pour toi! Eh, t'es un menteur! C'est pas moi, wesh, t'as vu? Regarde ce que tu vas faire. Tu vois la fille là-bas là? Ouais, tu vas la voir et tu lui demandes son numéro. Tu dis le mec là-bas là, il veut ton numéro. Ok, vas-y, je compte sur toi, vas-y. Ah, c'est chaud, hein? T'es pas sans ski. Mais non. Si! Ben, tu sais quoi, tout le monde lui son numéro, dis-lui t'inquiète pas, on va parler, et après je vais devenir son style, t'inquiète pas, vas-y, je compte. Vas-y petit frère, assure. Hé, hey, frère, c'est bon, elle a pas passé son numéro. T'es pas sérieux? Si. Ben, t'as donné quoi là, tout à l'heure? Pourquoi tu m'as donné un petit chocolat, pépère? Vas-y, c'est pas grave, vas-y. Merci, petit frère. Pardon. C'est pas grave, vas-y, tranquille. Alors comme ça, je suis pas ton style. Comment ça? Je sais pas, apparemment tu veux pas me donner ton numéro. Si, j'ai donné le numéro. T'as donné ton numéro? Bah ouais. La bande du goût. Français, français. Pur enfoiré. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait là? Ça va avec toi, frérot? Ah frérot, tu peux pas savoir à quel point ça fait plaisir de te voir. Ah moi ça me fait plaisir que tu sois sorti la famille, alors. Attends vite fait hein. Ah toi t'as un petit rendez-vous toi. Ouais c'est ma meuf qui voulait me voir. Sérieux? Ouais attends vite fait. Allô bébé? Ouais c'est bon, t'es sorti là? Ouais c'est bon, je suis sorti là. Mais t'es sérieux, t'es où là? Là je suis arrivé dans une minute même pas. Mais t'es sérieux, t'as fait vite là, comment ça se fait? Bah ça fait longtemps que j'attends ce moment hein. Bah tu m'étonnes, moi aussi je suis super contente là. Ouais j'espère bien hein. Et là t'es où là? Ouais bah écoute c'est bon, ouais, je suis arrivé hein. Comment ça fait plaisir de te voir? Bah moi aussi mais Comment tu m'as manqué? T'es où là? Vas-y je te rappelle. Toi aussi tu m'as manqué frère. Ça va ou quoi? Moi, on s'en douche mec. Espèce d'enfoiré. Dedans la même tête de gars. Eh la prison c'est la galère. Portugais, vous êtes content pour la finale? Oh mon ami! Comment ça va-t-il? Pour la dernière fois. Hein, on te rappelle du Portugal, c'est de la dégoulasse. Mais jamais de la vie, ce dégoulasse, c'est parti au final. En plus, regarde, grâce à Cristiano, tête, lucarne, Gareth Bale, il est parti à la poubelle. Gareth Bale, poubelle, compris? Prends ce cadre, parle français. Bon, l'équipe de Portugal, Cristiano, Nani, Quaresma, Pip, on va vous donner d'autres conseils. Cristiano, depuis le début de l'Euro, le coup franc, c'est pas trop ça, d'accord? Luis, Miguel, faites-moi au mur. C'est pas dire mots de béton, c'est dire mots de football. Football. Cristiano, normalement, le mur c'est fait pour contourner, c'est pas pour taper dedans. Viens, je te montre. Viens,
pas normalement ton pas et passe au-dessus. Bon. Nani, Poreshman, je vais te montrer une technique pour dribbler. Là, il y a un Titi, là, il y a un Ngolo Kanté, et là-bas, il y a Sonia. La technique, Poreshman. Là-bas. Oh, malau, malau. Que vida est tu. Là, je mets en lugar. Cristiano, je te montre la bonne simulation. Miguel, Luis, allez, simulation. Voilà, ça c'est la bonne simulation. Allez, Portugal, on a donné tous les bons conseils. Força Portugal, on gagne la finale, d'accord? Bon, le mec, Cristiano, par favor, s'il vous plaît. Allez, au travail, c'est parti pour le travail. Arrête, tu conneries là. En tout cas, c'est bon, ça va. Allez. C'est bon, ça va.